le tsar, hein, parce que je l'appelle comme ça, Poutine, le tsar, qui ne veut pas une démocratie pour son propre peuple. Alors, ce que nous proposons aux Européens et aux citoyens, c'est très simple. C'est une stratégie nouvelle pour sortir de la crise. Nous disons discipline budgétaire est nécessaire, mais il nous faut aussi une stratégie de croissance. Et cette stratégie de croissance, on ne l'a pas inventée nous-mêmes. Moi, je dois vous dire, quand j'ai fait le programme, j'ai présenté le programme pour les 5 prochaines années à la tête de la Commission, j'ai pensé à un autre président de la Commission. Le seul défaut qu'il ait, ou qu'il a, c'est qu'il est socialiste, mais que tout le reste va bien avec lui. C'était Jacques Delors. Et on m'a critiqué dans le débat, il y a 2 jours, M. Schulz, parce que j'avais osé utiliser le nom de Delors comme mon exemple pour la... Et j'ai dit, c'est normal, il est socialiste, a dit Schulz. Et je dis, naturellement, il est socialiste. C'est un socialiste intelligent, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est ça le problème avec le socialisme. Il aime le football, il aime la Belgique, donc voilà, il n'y a rien de mauvais à dire. Mais c'est lui, hein, vous vous rappelez dans les années 80, on était aussi dans les difficultés économiques. Dans les années 80, il y avait des difficultés au niveau de nos différentes économies énormes. Et puis à un certain moment, de l'or, il y avait aussi l'euroscepticisme, ça avait un autre nom. L'eurosclérose, c'était le nom. L'eurosclérose. Et puis il y avait partout le mouvement européen qui devait vraiment charger contre cette mentalité. Et lui, Delors, avec les industries, avec les milieux économiques, avait pensé à une idée de sortir l'Europe. Il avait lancé l'idée du marché intérieur, avec cette date mythique 1992. Et tout le monde, pendant des années, parlait de ça, de se préparer à ce saut en avant dans l'intégration européenne. C'était ça l'idée de l'Europe. Nous disons, il faut avancer, il faut un marché unique, plus important, et ça va nous faire sortir de la crise. Et alors, ce ne sera pas le seul combat. Quand on va prendre la présidence de la Commission, on va déposer pas seulement des initiatives au niveau économique, même si ce sont les plus urgentes, aussi au niveau de nos libertés civiles, au niveau de la protection de nos vies privées. Parce qu'après Snowden et les NSA, c'est le temps, c'est le devoir de l'Europe de protéger ses citoyens dans l'avenir. Et mes chers amis, pour réaliser tout ça, on a besoin d'une nouvelle commission. Une commission qui, de nouveau, utilise tout à fait le droit d'initiative qu'elle a. Il faut savoir, c'est la seule institution qu'il a. Ce n'est pas le Parlement qui peut déposer des textes législatifs. Ce n'est même pas le Conseil avec tous les chefs d'État et de gouvernement réunis qui peuvent le faire. Ce n'est qu'à la commission. Et c'est ça qui a manqué les 10 dernières années. Un courage d'une tête de la Commission qui a le courage d'avancer, de développer une vision.